Bon, je commence mon vlog aujourd'hui, juste comme ça. C'est un clip vraiment par rapport, juste au début de mon vlog, pour vous dire que comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de recommencer à mettre mes vlogs sur ma chaîne principale parce que, comme vous le savez, je faisais des weekly vlogs depuis plusieurs mois maintenant, là, pour de vrai, sur ma chaîne de vlog qui s'appelait Jess au quotidien. Fait que si vous êtes intéressé à aller voir, vous pouvez y aller sans problème. Ne riez pas, j'ai des beaux amis sur mes joues en ce moment. Mais, c'est ça, mais là je trouvais ça, pas que c'était compliqué, mais j'aimerais vraiment mieux tout mettre sur ma chaîne, on dirait, parce que ma chaîne doit me représenter. Fait que tu sais, j'aime autant ça que vous me voyez dans mes environnements beauté, tout ça, mon meilleur, mais j'aime aussi que vous me voyez dans mon état naturel, comme en ce moment, avec mon pyjama qui est taché de chocolat, parce que j'ai mangé une fondue au chocolat puis j'en ai renversé sur moi. Puis tu sais, vraiment pas à mon meilleur, genre avec des boutons en face puis aucun maquillage. Parce que ben c'est moi, que voulez-vous? Fait que je vais recommencer avec mes vlogs ici même. Là comme je vous dis, c'est vraiment un clip par rapport parce que là je filme la fin de mon weekly vlog, mais je voulais juste vous faire une petite intro pour vous dire que tous mes vlogs dorénavant vont être sur cette chaîne-ci. Fait que j'espère que vous allez être contentes. C'est sûrement moins compliqué aussi pour vous, je suppose. Alors je vous laisse aller écouter ma semaine qui vient de passer. Bon matin, on est jeudi aujourd'hui, puis j'ai décidé de vlogger parce que ça faisait longtemps. Puis là, comme vous voyez, j'ai un bel ami ce matin, un beau bouton. Je sais pas ce qui se passe à temps-ci, mais j'en ai plein qui me sort partout. Puis j'ai jamais de bouton, fait que je cabasse un peu. Ce matin, là, il est rendu comme presque 10h, je pense, puis je dois bientôt partir parce que ce matin, j'ai comme une entrevue, si on veut, avec... avec des... En tout cas, des trucs par rapport à YouTube. Je vais montrer ce que j'ai décidé de porter, mais c'est pas encore ça. Parce que là, la fille vient juste de me texter pis elle est comme « Est-ce que tu veux porter des vêtements colorés? » Fait là, je suis comme « Oh non! » Moi, les vêtements colorés, j'ai comme pas ça dans mon garde-robe, en tout cas. Fait que « Oh my god, il y a une tache dans ma caméra, je pense. » Voilà ce que je décide de porter. Mes jeans troués que je porte comme tout le temps, c'est comme quasiment un pyjama pour moi. Des petites bottines comme ça. Puis j'ai mis un chandail comme ça que j'ai acheté au Forever 21. Puis c'est comme un col qui monte haut. Puis il ouvre un peu ici, fait que j'ai mis genre une bralette... en dentelle, donc voilà voilà. Puis j'ai mon petit chapeau que je vais mettre aussi. Puis là j'ai comme, ça va être parfait mon petit manteau de cuir. Mais là je vais voir qu'il pleut, fait que je sais vraiment pas, puis ça se peut que j'ai changé de vêtements. Bref, j'ai vraiment dépêché, il est 9h50. Puis ce soir j'ai ça, ce matin j'ai ça, je vais être à 11h à Montréal, à leur bureau. Puis en gros c'est comme mon agence là, je sais pas si je peux en parler, sûrement que oui. Puis c'est ça, il ouvre un magazine, fait que il va m'interviewer pour voir comment est-ce que je gère l'école et YouTube en même temps. Puis, oh my god, je suis vraiment essoufflée. Comme vous voyez, ma chambre, c'est quand même bordel. Bon, changement final. Ils ont texté pour que j'ai plus de couleurs, donc j'ai dû changer. J'ai mis une petite camisole comme ça. J'ai gagné ma bralette en dessous parce que je trouvais qu'une brassière, c'était pas super beau. Fait que, et voilà, et voilà. J'ai gagné mes jeans, mes bottes, un petit manteau de cuir juste pour dehors. Et j'ai agrémenté d'un petit rouge à lèvres, vraiment flash. Donc voilà, puis pour vrai, ça vient vraiment d'avoir un bouton aujourd'hui qu'on va prendre des photos. Mais bon, donc là, faut vraiment que j'y aille parce qu'il est passé 10h. Puis je vais être là à 11h, puis je suis quand même pas à côté de Montréal non plus. Puis je vais vraiment arrêter de prendre un café avant parce qu'il me faut un café puis il me faut du change aussi pour le parking. Aujourd'hui, on est samedi matin. Puis il y a plein de trucs qui se passent dans mon salon ce matin. Donc en gros... Est-ce que ça vous dérange que je vlog dans ce carré? J'étais au cégep à Jaraguena en Montréalette, puis comme vous saviez, j'ai dû faire un court-métrage. Puis cette année, ben, il y a une équipe qui décide de faire un documentaire court-métrage sur le phénomène de YouTube. Et ils ont décidé de me choisir. Puis là, aujourd'hui, c'est la première journée de tournage. Puis ils vont interviewer ma maman. Ma maman est vraiment stressante, ça. Tu veux dire comment tu te sens? Explique-nous ça. Surtout que le YouTube, je ne vois jamais là-dessus. Je connais pas grand-chose là-dessus. Non. Faut que tu parles pour moi seulement. Hein? Parle de moi. Parle de... Parle de toi, oui. Je t'en ai appris des affaires, là. Ah oui, j'ai encore bien appris aussi. Moi, non, je sais, là, mais... Donc, on a l'équipe ici. Ils ont toutes leurs grosses caméras. Une autre caméra. Allô? Allô? Les spots. Plus professionnel. Puis c'est sûr que quand le résultat va être fini, je vais vous le partager. Vous allez mettre sur YouTube ça? Ouais. Good. On partagera ça. Fait que là, pendant qu'il s'installe en haut, on décide de changer de position d'emplacement. Parce que l'éclairage ici était vraiment trop orangé, comme je le pensais. Fait qu'on s'est mis dans ma chambre, mis pas dans moi, puis tout le kit. Puis là, il vient de s'installer. Puis je mange un restant de poulet au beurre, puis c'est trop bon. Merci à ma maman qui cuisine bien. Maman qui est stressée.
Bon, donc là, aujourd'hui, on est mardi. On est quelle date aujourd'hui, ma? On est le 20. Le 20 octobre. Tu veux dire allô? Bonjour! On ne voit pas. Regardez, ma fille, elle est tibée, ça. Fait que là, ce soir, c'est comme ma mère disait, je suis dans un événement à Montréal qui s'appelle Formation Montréal Inc. Puis, c'est pas trop clair encore comme événement, mais il va y avoir plein d'entreprises qui démarrent. Puis, je m'en vais là comme une influenceur. Puis, je vais donner mon choix numéro un coup de cœur entreprise que je préfère. Donc, voici ce que je décide de porter. La moitié vient de ma mère. Fait que, en dessous, j'ai juste une robe noire, comme ça, qui vient du garage avec des manches longues. Puis, c'est comme une robe t-shirt, si on veut. J'ai mis le foulard comme ça beige de ma maman parce que j'aime vraiment cette couleur-là puis c'est vraiment in pour l'automne. Mais je sais pas ce qu'elle a pris. Tu l'as pris où? Le château. Le château. Ensuite, mon chapeau noir que je porte toujours du garage. Des bas jusqu'aux genoux qui viennent du Aldo, je crois. Mes petits bottillons comme ça qui viennent du Spring ou du Aldo, je suis pas trop certaine. Sinon, ma mère m'a passé aussi sa grosse veste manteau parce que... J'ai pas vraiment de beau manteau chic là, donc elle me l'a passé puis je trouvais ça vraiment cute. Puis sinon j'ai ce colis là qui vient de chez Scarlett, donc je mettrai le lien en bas d'information. Donc voici mon résultat. Puis sur mes lèvres, tout le monde va demander c'est sûr, mais c'est la couleur Patina, c'est un liquid lipstick de chez Stila. Donc voilà, j'espère que vous l'avez rendu là-bas. Je sais qu'il va y avoir l'autre Jessica de YouTube, Jessica in Fashion, puis il va y avoir plus de blogueuses que de youtubeuses, mais je vais vous les montrer quand même. Donc, on va se reparler rendu là-bas! My God, c'est ma tour, gang! Puis j'ai toute la misère du monde à me trouver un parking, c'est ridicule, genre un ticket, c'est comme sûr et certain. Donc l'événement se passe dans une ancienne église, c'est vraiment vraiment beau. Je peux vous montrer au loin comme ça. Il y a beaucoup de monde. Voilà, voilà. Donc c'est bien une petite entreprise que je vais pouvoir aller visiter tantôt, rencontrer, voir ce qui se passe. Puis là, moi, je suis au salon VIP en ce moment. Il y a la belle Ellie qui est ici. Tu peux dire allô? Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien? Première apparition sur YouTube. Salut! Et là, Jeff! Les gens sont tous sympathiques, toutes les entreprises sont vraiment intéressantes. Il y a des compagnies de bouffe, des compagnies de mode, des design, des livres, un peu de tout. Fait après ça, je m'en vais au professionnel, qui est vraiment dans ceux de l'église. Puis les propriétaires de les compagnies vont venir me rencontrer pour me vendre leur compagnie. Puis à la fin, je vais devoir donner mon coup de cœur à l'une d'entre elles. Donc ça va être bien fun. Il y a Cherche-tout, t'as tout perdu. J'ai tout perdu, genre, j'ai pas mes vrais 30 secondes de temps, je me retourne et il part avec.
Bon matin, donc j'espère que la caméra est bien cadrée parce que j'ai vraiment comme, aucune autre place pour mettre cette caméra dans mon auto. Puis je vous ai mis comme sur le... Où est-ce qu'il y a le cadran des vitesses là? Ok, j'ai réalisé que j'avais vraiment pas reblogué après mon événement de... Attends, c'était quand mon événement? C'était mardi soir. Puis on est rendu jeudi matin. En gros, quand je suis revenue mardi soir, il est environ quoi, 8h30 peut-être. Puis j'avais un gros examen qui valait comme 35% de ma session à l'université le lendemain matin. Fait que j'ai été me chercher un café puis j'ai vraiment étudié comme toute la nuit. Mais étudier, c'est un gros mot. Parce que j'étais vraiment comme, j'étais plus capable. Fait que bref, c'est ça. J'ai eu la misère au monde de m'endormir parce que j'avais pris un café. Puis moi, le café, ça me réveillait quand même pas mal. Fait que ça a fini que je me suis endormie vers 3h du matin puis je devais me réveiller à 6h30. Fait que j'étais vraiment fatiguée, puis hier soir, après ma grosse journée, justement, j'avais un cours le matin, un cours le soir aussi, dans l'après-midi. Fait que je suis revenue chez moi, puis pour vrai, j'ai vraiment rien fait à part manger, puis comme relaxer sur Netflix. Parce que là, je suis partie, j'écoute la série The 100. Puis pour vrai, là, c'est vraiment pas tant mon genre de série d'habitude, vu que c'est un peu plus comme science-fiction, action, puis tout ça. Mais c'est tellement bon, gang. Pour vrai, là, elle a écouté au moins comme... 2 épisodes, laissez-leur une chance, c'est vraiment vraiment bon. Puis comme en dedans de quoi, 2 semaines peut-être, j'ai fini les 2 saisons, là, comme il me reste un épisode seulement à la saison 2, puis genre terminé. Fait que c'est ça. Plus ce matin j'ouvre là parce que les jeudis j'ai jamais d'école. C'est ma petite journée de congé, mais ma journée de congé est tout le temps bondée de choses à faire. Fait que là ce matin, il est rendu 10h, puis je suis en direction pour Laval parce que j'ai un travail d'équipe à faire. Puis Laval, c'est comme à mi-chemin parce que la fille habite à Terrebonne. Puis on doit écrire un texte de comme 2 pages, je pense. Ça devrait pas être si long que ça. Puis sinon, j'aimerais vraiment ça filmer ma routine cocooning tantôt, si j'ai le temps. Puis j'ai des petites affaires aussi parce que demain matin, j'ai mon autre examen. Mais tu sais, c'est un examen style mini-test qui vaut 5% seulement en choix de réponse. Là. Fait que tu sais, je me casserai pas trop la tête avec ça, mais ça reste que... Je me force un petit peu quand même. Fait que voilà, j'ai sûrement pas bloqué là-bas avec mon amie parce que je veux dire, elle est pas tant à l'aise avec YouTube. Là, c'est comme une fille dans mon équipe, là, c'est pas genre ma meilleure amie non plus. Mais en tout cas, au pire, je filmerai ambiance. Là, je m'en vais au Presse Café, au Café Presse, un des deux, à Laval, proche du Centre-Polis. Fait que je vais vous reparler plus tard. Arrivée! Elle n'est pas encore là, je pense, mais je vais commencer à étudier pour mon cours de demain. Le temps qu'elle arrive, puis je vais me prendre un bon café avec une petite pâtisserie. Bon, je suis revenue chez moi, il est rendu 5h30. Puis, finalement, après avoir fait mes trucs, j'ai été au Carrefour Laval parce que je devais aller chercher ma mère à son travail, mais j'avais comme. C'était un peu une perte de temps pour moi de revenir chez moi puis de retourner la chercher. Fait que je suis juste comme restée en auto, j'ai étudié aussi en même temps. Puis j'ai été au Forever 21. Puis j'ai acheté 3 trucs. Je vais vous les montrer vite parce que ça me tente. C'est vraiment des trucs basic. Premièrement, je me suis acheté une paire de jeans. C'est vraiment plate là. Mais je porte souvent mes jeans noirs troués parce que j'ai pas comme des jeans bleus normales, pas trop, qui sont vraiment confortables genre puis qui me font bien. Puis là, je l'ai juste vu, je l'ai spoté, je l'ai essayé, puis elle faisait vraiment bien. Fait que je sais pas trop c'est quoi le modèle. Moi, je porte des 26. Puis ce modèle-là, c'est quoi? Donnez moyen. Fait que c'est ça, puis ils sont tellement doux, ils sont tellement stretch, je les trouve super belles. Je me suis aussi acheté un gilet comme ça, parce que moi, l'hiver, puis en automne, mais je vis qu'en tricot. Fait que j'en ai vraiment pas vraiment des rouges bourgognes comme ça, puis il est vraiment confortable, il est doux, c'est comme ma petite main comme ça là. Mais tu sais, il est pas transparent dans le sens qu'on voit pas en dessous. Puis ce que j'aimais le plus, c'est en arrière, parce qu'il y a comme une ouverture ici dans le dos. Fait que c'est vraiment beau, puis j'ai comme un brassard bourgogne, fait que ça va comme pas trop paraître. Puis le troisième truc, c'est comme mon item préféré, sauf qu'il est rangé dans mon garde-robe en bas, mais c'est un petit manteau beige, style... trench coat, c'est comme ça qu'on dit je crois. Fait que c'est ça, je vous montrerai au pire demain dans mon vlog ou dans mon prochain vlog, là, vous allez me voir, c'est sûr et certain quand je vais le porter. Puis là, j'ai ma caméra et un parapluie d'ouvert parce que j'étais en processus de filmer ma routine cocooning. Ça fait vraiment longtemps que je veux la faire, ça va être en gros juste des trucs que je fais quand je veux prendre soin de moi. Fait que c'est ça, là j'ai filmé mes ongles puis je suis vraiment stupide parce qu'il faut que je me lave les cheveux ce soir, ça paraît pas, ça me vraiment sale. Puis je suis vraiment conne parce que j'ai pas encore lavé mes cheveux. Fait que là, j'avais fait une main, puis j'étais genre, aïe, ils vont tout genre se défaire, c'est sûr. Fait que je l'ai enlevé, mais au moins j'ai filmé ma séquence. Puis je pourrais pas tout filmer mes séquences ce soir dans le sens que je voulais filmer une séquence dans le bain avec un truc lush.
Sauf que là, il faut que je me lave les cheveux dans ma douche. Parce que moi, je comprends pas les gens qui se lavent les cheveux dans le bain, ok? Je comprends pas comment vous faites, genre. Moi, je comprends pas le principe. Là, en ligne, d'ici la semaine prochaine, je crois, je l'espère vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, ah oui, une full bonne nouvelle aussi. Vous l'avez sûrement déjà vu le temps que vous allez voir ce vlog-là, là, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux. Sauf que j'ai fait une entrevue pour un magazine en ligne qui s'appelle le Crème Mag. C'est vraiment hot, c'est un blog en ligne qui parle de tout, là, genre lifestyle, mode, beauté, cuisine, ma famille et tout. Puis il y a beaucoup de bloggers et de youtubers qui vont apparaître là-dessus. Puis ça, je l'ai fait en collaboration avec le Fuck Off Magazine. J'aime pas ça dire le nom, mais c'est ça. Puis pour vrai, c'est comme la première fois que je faisais une entrevue pour quelque chose. Puis j'étais vraiment stressée parce qu'il y avait un photoshoot en même temps. J'étais comme, oh mon dieu, je sais pas comment poser. Mais pour vrai, ça a tellement bien été. Puis le résultat, pour vrai, j'ai eu comme une larme aux yeux quand j'ai lu l'article. Ils l'ont écrit, en la base, c'est un article qui a été fait en anglais, sauf qu'il était traduit en français aussi. Fait que je mettrai les deux versions en barre d'informations. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pourriez aller le lire parce que pour vrai, genre, vous allez en apprendre un petit peu plus sur mes dessous de YouTube, puis je suis vraiment contente pour elle, là. Fait que l'article ressemble à ça ici, puis c'est ça, là, c'est vraiment pas long, puis je suis vraiment contente du résultat. Fait que vous irez voir ça, fait que là, je vais aller me laver les cheveux, parce que faut vraiment que je les lave, puis après ça, faut vraiment que j'étudie un peu pour demain, pour mon examen, parce que je suis vraiment pas motivée, mais il faut que je le fasse.